Bulk Day. Aujourd'hui, on va faire le dos. On va faire le dos rapidement. Peut-être les biceps à la fin, je vais voir. Allez, c'est parti. Je vais commencer par m'échauffer tranquillement avec du oiseau. Haltère. Histoire de faire ça bien. Sinon, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Nous, on va envoyer avec ce qu'on peut. Moi, ça va. Fatigué, mais ça va. Par contre, il y a 8. Et 8, c'est déjà lourd. Les 6 étaient déjà pris. Ouais, si je fais que 8, c'est pas grave. Ouais. En ce moment, je suis sur un projet. Projet 99 sur Insta. Je sais pas si tu suis. Je balance sur Insta, YouTube Short et TikTok. Chaque jour, je me force à progresser dans tout ce que je fais. Montage vidéo, tournage, business, mais aussi pour ma chaîne YouTube, c'est de d'avancer, d'être meilleur. Et là, c'est le 7e jour. Et franchement, je suis très content parce que j'ai pas mal de soutien, pas mal de commentaires sur toutes les plateformes. Et je compte pas lâcher. Je compte aller au bout. Ok. 8, c'est super lourd. Ça fait une bonne semaine que je suis pas allé à la salle là. Une bonne semaine. Dû au projet 99 et dû au tournage aux clients que j'avais. Parce que j'ai des clients pro. Et du coup, ah, ça va être dur. Là, ça va être très dur aujourd'hui. La dernière séance que j'ai fait, c'était les jambes. Et ça remonte au week-end dernier. À dimanche dernier. Allez. Ok. Parfait. Oh. Je fais un peu d'élévation latérale standard. Pour ce projet 99, j'ai beaucoup d'objectifs pour ma vie personnelle et professionnelle. En termes de professionnel, eh ben, je vais faire beaucoup plus de vidéos sur YouTube, sur cette chaîne principale. Notamment, plus de bulk day. Je vais essayer d'aller à la salle plus tôt, d'aller à la salle où il y a moins de monde, d'essayer de changer de salle aussi, et de faire plus de vidéos, histoire de produire plus de contenu. J'ai envie de lancer une série de vidéos sur la photo et la vidéo pour apprendre à se filmer seul. Parce que de base, ça, c'est une formation que je voulais faire payante. Mais je vais la faire sous forme de vidéos gratuites sur YouTube. Et ma chaîne YouTube secondaire Dame Jordan Training, je vais essayer de faire des petites vidéos entraînement maison, comme on a l'habitude d'en avoir. Des vidéos où on s'entraîne et on parle ensemble. Enfin, où je parle. Tu vois? Ça peut être intéressant aussi. Et ça va m'aider à me développer financièrement parce que les deux chaînes YouTube sont monétisées. Mais même si que voilà, tu gagnes pas beaucoup, mais le peu que je gagne, je pourrais le réinvestir pour faire de meilleurs contenus derrière encore. Ça, c'est important. Niveau clientèle maintenant, au niveau de mon travail de vidéaste, je compte démarcher plein de clients, voir si je peux collaborer avec des marques de photos, vidéos, voir si vraiment je peux aller chercher des choses que d'autres gens ont, parce que c'est important, faut aller chercher, faut oser, et aussi me développer. Allez, même si que mes charges sont divisées par deux, l'essentiel c'est de faire une bonne séance et de se sentir bien, de se sentir fort et de se sentir beau. Allez, c'est la dernière. Et ça bien. On a fini avec ça. Je suis bien. Là, je vais voir si je peux faire
une machine d'eau là-bas, là, une latérale. Et puis voilà, on continue. J'ai enlevé les poids, déchargé les barres, parce que c'est important, il faut toujours décharger les barres. Et on se retrouve à l'exercice suivant. Ça va être que du plaisir. Il n'y aura pas de programme adapté, il n'y aura pas de truc comme ça, c'est que du plaisir. Parce que honnêtement, hein, dans tout ce que j'ai à faire au niveau business, je n'ai pas le temps de me consacrer à des programmes sophistiqués pour atteindre tel ou tel niveau musculaire ou tel physique. Je suis bien, je suis content de mon physique, je suis satisfait. Maintenant, c'est niveau professionnel, c'est niveau business, c'est les sous, c'est tout ça. Et le sport, ça va m'aider à souffler, à me dépenser et à vider mon esprit pour la suite. Du coup, on va quand même faire des entraînements, on va s'arracher, on va se faire mal, on va faire des trucs drôles, des trucs intéressants, des trucs où tu pourras t'en inspirer, mais il n'y aura pas de programme bien défini. Peut-être vers fin juin ou juillet, août, ou je sais pas, on va refaire une playlist de programmes, test speed, PPL, que je te partagerai. Mais pour l'instant, là, c'est que là, pour ça, c'est que des entraînements tranquilles. Les entraînements où je viens, je fais ce que j'ai à faire, je travaille un ou deux groupes musculaires ou trois. Et je rentre à la maison, je suis bien, je continue à travailler. Là, c'est que ça, là. Allez, on en va encore. Premier exercice, on va se faire du rowing sur banc. Je vais pas prendre trop lourd, hein. Je vais prendre 20 kilos. On va faire ça bien. Rowing sur banc en biceps avec oiseau haltère. On va garder les 8. On va se faire un biceps comme ça. Ça va bien nous réveiller, on va être bien. Allez, c'est parti. Endurance musculaire, c'est incroyable. Je suis KO. J'ai pris 30 kilos, ça va être beaucoup plus dur. Mais bon, on va valider. On va valider. Juste poser mon téléphone parce que si mon téléphone se fait écraser pour un poids de 30, c'est terminé pour moi. Ah, putain. Allez. C'est parti. Une. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Oh. Allez, 15, 15. On va aller chercher. On va aller chercher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Oh. Oh, ouais. Oh, ça fait du bien. Là, je vais rester sur du 3 séries, pas plus. Parce que ça arrache quand même. Je vais faire une dernière à 30. Et après, on va changer d'exo. Mais c'est un truc de fou quand tu réduis tes séances. Tu passes de 5, 6 séances par semaine à une, deux ou trois, ton corps te le fait vite remarquer, hein. Ton corps te dit non, gros. Non, là je vais te mettre de la douleur, ça va être compliqué, le corps s'adapte facilement, quand tu fais rien, quand il est feignant, le corps s'adapte,
dans le sport, le corps prend un peu plus de temps à s'adapter, mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Je me repose bien, je prends de mon eau. Là, j'ai plus de compléments, j'ai plus d'énergie gel. J'ai rien du tout. Je vais peut-être prendre des EA le mois pro sur MyProtein et reprendre de l'énergie gel parce que là, je sens que c'est dur et j'en aurais besoin. Sachant que juin, juillet, août, il va faire chaud, il va faire beau, ça va être un peu plus dur d'aller à la salle. Il y aura beaucoup de projets, surtout avec mon projet 99, donc faut vraiment que je m'en mette dans le bain vite là. C'est important. Allez, on va ramener les 30 pour cette dernière. Ce qui est bien, c'est que il y a plein de machines de libre. Moi, je pourrais faire tout ce que j'ai envie de faire. Allez. Vraiment. Les 30, elles volent comme tout à l'heure. Moi ça tue, ça épuise. Mais c'est ça qui est bon. Ça qui est bon. Juste m'échauffer un peu les triceps. Tranquillement. Avec la barre en V. Ouais. Là, vu que j'ai perdu un peu en gras. Mon corps, il est beaucoup plus tracé. Mes triceps, ils se voient mieux. Mes biceps aussi. J'ai perdu en gabarit. J'ai perdu énormément en force aussi. Malheureusement, je peux pas gagner en force et perdre du poids. C'est pas possible. À part si je me charge. C'est pour ça que j'aime faire des régimes, j'aime faire des mini-sèches, même si c'est pas vraiment une sèche. Mais quand t'arrives à la salle, tu sens que tu es moins fort, tu sens que tu es moins endurant, tu sens que tu es plus vulnérable parce que tu te fatigues beaucoup plus vite, tu te blesses beaucoup plus vite, tu as des douleurs tendineuses beaucoup plus vite. Et ben c'est embêtant, tu vois. C'est embêtant. C'est chiant. Et du coup, ben ça, c'est le côté négatif de sécher, maigrir, perdre du poids. Mais c'est pas grave. On s'entraîne comme on peut. Et le sport, c'est un mode de vie. Je ne compte pas faire de compétition, de force, ni de bodybuilding. Je compte juste m'entraîner et me conserver. Ok. Là, ça va, mes triceps sont en feu. Sent bien, on est plutôt bien. Franchement, mon shaker il est vraiment trop beau. J'aime trop ces shakers là. J'en avais un comme ça, c'était de la gamme MyProtein Gaming. Je sais plus où il est, je l'ai perdu, mais là j'ai repris. Il est en full noir plastique. Il est bien. Il y a le même en acier, mais plastique c'est suffisant. Hein. Acier, je préfère des 1000 shakes dedans, mais il est trop beau vraiment. On va prendre ça, la mettre là, mettre des poids dessus et puis c'est parti. Hein. Je vais mettre deux poids de 20, je crois. Deux poids de 20 et faire du rowing à la barre cette fois-ci, en prise large. Allez, c'est parti.
Rowing barre prise large, ça fait longtemps que j'ai pas fait du rowing à la barre. Va balancer. Huit reps ou 10 reps. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 reps. 8 reps, c'est largement suffisant. Par contre, je pense pas que ça allait m'allumer autant. C'est incroyable. J'ai tellement perdu dans ce mouvement. Là, je vais essayer de rebalancer plein de YouTube Shorts. Parce que c'est bon, là. Ça suffit. J'ai vu Thibaut InShape, il est passé premier YouTuber français. Parce qu'il est passé Squeezie. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Tout ça grâce aux Shorts. Grâce à ces vidéos aussi, mais les shorts l'ont aidé grandement, tu vois. Et c'est un boost en abonnés, c'est incroyable. Je compte reprendre les shorts, faire beaucoup de shorts. Et puis voilà, let's go, c'est parti. Hein. C'est comme il y a eu un mois, je crois que c'était le mois de février, j'ai fait 300 000 vues en tout sur ma chaîne, en un mois, grâce aux shorts. Et c'est une dinguerie parce que de base, je fais entre 80 et 110 000 vues par mois. Et les shorts, ça a multiplié par deux, tu vois. Et comme j'ai un objectif de passer 50 000 abonnés, c'est l'objectif, avant la fin de l'année. Donc je vais me donner à fond. Là, je vais me donner à fond sur cette chaîne principale. Je vais me donner à fond. Je vais mettre tout ce que j'ai, tout ce que je peux faire. Aussi faire ma nouvelle thématique liée à la photo vidéo. Je sais que ça va pas intéresser un grand nombre de personnes, mais c'est un truc qui me plaît, c'est un truc qui va avec moi, un truc qui va avec ce que j'ai envie de proposer. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais faire ça bien, je vais faire ça bien, je vais me battre, je vais aller chercher, je vais chercher les choses. J'ai beaucoup trop d'objectifs et on va aller chercher ensemble. Quand tu vas faire des programmes, quand tu vas progresser, quand tu vas te faire progresser et ne pas lâcher, ne pas lâcher. C'est ça le seul mot d'ordre qu'il faut avoir en tête, c'est ne pas lâcher. Allez, deuxième. Deuxième, fais ça bien. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Oh, c'est incroyable. En même temps, j'ai pas beaucoup mangé. Hein. J'ai mangé un plat de sèche. J'ai mangé un plat de vegan. J'ai fait quoi? J'ai fait flocons d'avoine, lait et miel. Incroyable, j'ai mangé juste ça. Et j'envoie des charges, je me fais mal. Normal que je suis fatigué. Que j'ai du mal à tenir. Mais on va quand même assumer. On va quand même assumer. Là, il m'en reste une dernière. Je vais me poser et repartir. D'ailleurs, je sais pas si au niveau de la qualité vidéo ça se voit, mais j'ai un nouveau filtre sur ma caméra. C'est un filtre ND que je peux mettre pour ajuster la lumière, pour avoir une lumière cool. Et je sais pas si ça se voit. Donc, j'espère que ça se voit. J'espère que l'image est mieux. Ou alors, c'est aucune différence. Bah, c'est pas grave, il n'y a aucune différence. Mais en tout cas, ouais, j'ai investi. Et là, c'est la première fois qu'un investissement me fait mal financièrement. C'est la première fois, tu vois. Parce que là, je suis dans une situation où si je travaille pas, tu vois, c'est fini pour moi, tu vois, clairement. Donc, c'est un investissement qui me fait mal, mais que je dois rentabiliser. Donc, c'est ça que je te dis, que je vais te faire des vidéos de fou. Je vais te faire des vidéos de fou. Je vais produire. Je vais produire ce mois de juin. Ça va être incroyable, même si que là on est à la fin du mois de mai, mais ce mois de juin, je veux qu'il soit incroyable. Je veux produire à la mort. Il n'y aura pas de relâchement, il n'y aura rien. On va faire les choses bien. Oh. Par contre, ouais, je le sens. Hein. Je le sens quand tu manges pas. Hein. C'est compliqué. Hein. Je lâche pas, je te raconte ma vie, mais. Mon ventre, il fait du bruit, mon ventre, il me dit non, gros.
T'as rien. Faut que tu manges un truc. C'est compliqué. C'est très compliqué. Oh. Puis ça pas beaucoup, hein. Il n'y a que 60 kilos. Hein. 60 kilos, normalement, c'est de base. Quand je suis à mon poids de forme, c'est un échauffement de base, hein, ça. Mais là, ça me fait mal. Je vais peut-être prendre une nouvelle dans le distributeur de la salle. Après, je verrai. Ils ont quelques marques cool. Mais je vais voir ça là. Allez, même si que mes charges sont divisées par deux, l'essentiel c'est de faire une bonne séance et de se sentir bien, de se sentir fort et de se sentir beau. Allez, c'est la dernière. Et ça bien. Fini que ça, je suis bien. Là, je vais voir si je peux faire une machine d'eau là-bas, là, une latérale. Et puis voilà, on continue. J'ai enlevé les poids, déchargé les barres parce que c'est important. Faut toujours décharger les barres. Et on se retrouve à l'exercice suivant. Tirage vertical à la poulie. De base, je voulais faire la machine d'eau là-bas, mais je me suis dit non. Je vais faire du tirage vertical. Ça va être bien. Ouais, 40 kilos. Hein. 40 kilos, je sais pas si ça va être suffisant, ça va me faire mal. C'est incroyable de dire ça. Hein. Sachant que si tu connais bien les bulkhead, tu vois que de base on met 100, on met tout. J'aime pas cette prise. Mais on va la prendre quand même. Pour la première. Non, ça va, c'est léger. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, 11, 12, ok. On va tirer ça. On va tirer cette merde. Je vais prendre la vraie barre pour le dos. Elle est à côté. Ces prises-là, elles sont bien si tu veux travailler avec un contrôle. Tu veux bien contrôler ta charge. Tu veux avoir un. En fait, il faut que je m'exprime bien. C'est bien quand tu prends léger, pas trop lourd. Parce que quand tu prends lourd, en fait, tu as des tensions sur les dos ici, c'est pas bon. Faut vraiment travailler sous contrôle, genre en série longue, ou sous tension, ou tu fais des blocages, ou chercher l'échec musculaire. Là, c'est intéressant. Mais quand tu bosses en hypertrophie, tu veux vraiment mettre lourd, tu veux faire des séries, tu veux t'arracher la gueule. C'est pas bon ça, tu vois, c'est pas bon. Du coup, je vais prendre la vraie barre. Et comme on a un manque d'énergie, un manque de force, on va se faire 10-10. 10 répétitions en pronation et 10 répétitions en supination. On va se mettre à 60 kilos. 60, c'est bien. Comme ça, voilà, on n'est pas dans le trop léger. On n'est pas dans le trop lourd non plus. Il y a un minimum de difficulté. Par contre, ça, non. Yes, j'ai réussi à l'enlever. Non, il bloque celui-là. Il bloque, mais j'ai réussi à l'enlever. On va partir direct. Hein. J'ai bien mis 60, ouais, j'ai mis 60. On va repartir direct. C'est parti, je prends une prise large. Allez, pour la prise pronation. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, allez, huit, neuf, dix. Supination serrée, mais par contre, je sais pas si je pourrais prendre la même charge et faire 10 répétitions. Je vais essayer. Une, deux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, ça fait mal. Ah, c'est incroyable.
On va garder la même charge, même si ça me défonce. Mais on va en faire trois. On va faire les trois comme ça. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. On est dimanche. Et je me suis lancé un défi dans ma semaine. Je sais même pas si je vais le tenir, honnêtement. Mais pour la semaine qui va arriver, la fin de semaine du mois de mai, je voulais faire une vidéo bulk day durant la journée et une vidéo programme sur ma chaîne secondaire. Et 10 shorts YouTube. Donc, j'ai ma vidéo du projet 99 pour récap ce que j'ai fait. Mais dans toute cette récap, je vais faire un bulk day, une vidéo programme pour ma chaîne secondaire, programme du jour, et 10 shorts YouTube. Très compliqué, très très dur. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer. Je vais essayer, vraiment. C'est vrai que cette vidéo, on est dimanche, j'essaie de la sortir dimanche. Même si c'est dimanche soir, même si c'est 23h minuit, je vais voir, j'essaie de la sortir quand même. Comme ça, lundi, on commence avec une journée cool. Mais il faut vraiment que, si je fais ça, il faut que je m'organise au mieux. Dans le sens, il faut que je me réveille, je fasse directement, enfin, je me réveille, je vais à la salle. Ou alors, je me réveille et je fais un petit programme pour ma chaîne YouTube secondaire. Après, je vais à la salle pour un bulk day. Après, je rentre et je fais les montages. Et je bosse à fond. Tout en n'oubliant pas les calls clients que j'ai, les vidéos pour les clients que j'ai à faire. C'est incroyable. Et ça, je peux le faire. Je peux le faire parce que il faut remplacer des choses pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. J'allais dire faire ce que tu as envie de faire. Mais c'est pas un truc que tu as envie de faire, c'est un truc qu'il faut faire. Et la play, les gars. La play, je vais enlever la play. C'est simple. La saison 4 de Call of, elle sort bientôt. Là, j'ai aucune raison de jouer à Call of, là. Donc là, je peux mettre Call of en pause pendant 1 à 2 semaines et me donner à fond sur ma chaîne YouTube principale et secondaire. Me donner à fond durant cette semaine qui suit et l'autre semaine. Et après, on verra. On va peut-être diminuer la cadence parce que je peux me donner à fond surtout. Là, vraiment, là, je me donne de gros défis, de choses dures à supporter. Mais j'ai le choix. Et mon choix, c'est de travailler. J'allais dire, on n'a pas le choix. En fait, on a le choix. Mon choix, c'est de travailler. Mon choix, c'est de faire les choses bien. Sachant que, oui, j'ai oublié. Je voulais faire une vidéo en plus sur ma chaîne YouTube. Une vidéo sur le thème de la photo-vidéo. Parce que je me suis dit, attends, mais c'est trop facile, là. Non, je voulais faire. En gros, c'est 3 vidéos pour YouTube. Clairement. 3 vidéos pour YouTube, 2 vidéos de sport et une vidéo sur le thème de la photo-vidéo. C'est super dur. C'est super dur. La seule chose qui est facile, entre guillemets, c'est que le bulk day et la vidéo sur ma chaîne secondaire, il n'y a quasiment pas de montage. Mais la chaîne YouTube sur la photographie et la vidéo, il y a du montage à faire. Et je voulais vraiment faire un beau montage. Et ça va être dur. Donc, je vais voir, hein, je vais voir ça. Suis-moi pour savoir. Enfin, suis-moi sur YouTube pour savoir si cette semaine j'aurais fait le taf. Et puis, je ferai un petit bilan. Je ferai un petit bilan, je te dirai dimanche prochain, ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai pas réussi à faire et pourquoi. Et même si j'arrive pas à tout faire, ben c'est pas grave, je ferai au moins un truc sur deux ou un truc sur trois ou voilà. Mais je fais pas rien faire. Si je fais une journée où je fais rien, vraiment, c'est parce que j'ai un tournage client, un gros tournage qui me rapporte beaucoup de sous et voilà, je suis content et il fallait faire un choix. Mais sinon, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas ne rien faire, je peux pas rester là, attendre. Je suis obligé de travailler, je suis obligé d'aller chercher ce que j'ai envie d'aller chercher. C'est important. Allez, on part. Oh, deuxième. Allez. Deuxième. Fais ça bien. Toujours à 60. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Allez. Huit. Neuf. Dix. Ok. On y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, allez, six, sept,
8, 9, 10. Oh. Oh. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est une dinguerie. Il me reste une. Une. Wow. C'est incroyable. Ouais, vraiment, je pense que je vais faire trois exercices. Dos. Les trois qu'on a fait après. Biceps et je m'arrache. Le but, c'est de pas faire des entraînements trop longs, que j'ai plus l'endurance musculaire pour. Je dois reprendre petit à petit. Mais ça fait mal. Franchement, ça fait super mal. Ça fait super mal. Et là j'ai des montages à faire. Des montages à faire. Encore en rentrant. Donc, faut que je m'entraîne, certes. Il faut pas que je m'entraîne comme si j'avais plus rien à faire derrière. Ou je m'entraîne comme si que la seule chose qui me restait à faire, c'est jouer à la plaine. Tu vois, c'est mort. Là, j'ai du taf. J'ai des choses à faire. Donc, je vais voir. Là, j'ai en train de réfléchir à comment je vais m'organiser pour les bulk day. Les entraînements maison. Parce que, ouais, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Je sais pas qui m'a envoyé faire ce défi-là, mais c'est une dinguerie. Et il y a une chose que je sais, c'est que je vais vraiment réussir, tu vois. Je vais vraiment réussir. J'ai envie de réussir. Je vais réussir. Il faut juste que je me donne un fond, que je travaille beaucoup plus que les autres. Juste ça, travailler beaucoup plus. Et même si que, voilà, on réussit pas, j'aurais le mérite de me dire, j'ai travaillé plus que n'importe qui. Et ça, c'est important, ça. Ça me fera du bien et ça me consolera. Allez, faire la dernière. Dernière. Même poids. On y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ok. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Oh, c'est validé. C'est bon. Oh, c'est bon. Oh. Je vais faire un exercice bras ou deux, après je me taille. Je vais peut-être aller à la poulie, tiens. Allez. Pas mettre très lourd. 20 kilos. Et on va faire un peu de curl pour s'amuser. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. 8, 9, 10, ok. Tu vois, j'ai ce qu'il faut au niveau physique. Hein. Au niveau des bras, j'ai ce qu'il faut. Allez, deuxième. Deuxième. On y va. Une. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je vais m'arrêter à deux, mais je suis obligé d'en faire un troisième. Ou juste d'en faire un troisième. Comme ça, on est bien. Mais là, ouais, là, je sens que mon déficit calorique non voulu, il me tue dans ma séance. Il me tue, clairement, il me tue. Ah. Allez, on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit,
9. Ok. 10. On est bien. On est bien. Nos bras sont bien. On va se poser. Oh. Ce bloc d'œil est désormais terminé. J'espère que t'as pu kiffer. Je pense que les blocs d'œil à l'avenir seront plus courts en séance. Une fois la durée, ça peut être plus ou moins long parce que je vais plus parler. Maintenant, je vais échanger beaucoup, donner mon ressenti sur les choses. Mais c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, ça fait mal, c'est vraiment mal. Faut que je mange plus. D'un côté, j'aime bien parce que je perds du poids et tout, et je retrouve un niveau physique que j'avais pas, que j'ai perdu, tu vois. Mais d'un autre côté, la fatigue que t'as, c'est trop, tu t'entraînes mal, tu es à la salle, t'as moins de motivation, tu vois. Donc j'essaie de manger un peu plus pour être bien. En tout cas, si t'aimes cette vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Moi, je me souhaite de la force pour cette semaine, pour la semaine que j'ai dit. Voir si je peux tenir une semaine, 3 vidéos par jour. C'est une dinguerie. 2 sur la chaîne principale, 1 sur la chaîne secondaire. Juste pendant une semaine, après on verra comment on s'organise parce que je sais que la fatigue que je vais engendrer derrière, elle sera vraiment incroyable. Et puis voilà, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour un nouveau bulk day.